السلام عليكم أصدقائي مرحبا بكم معي مجددا على قناة مون فرونسي سنرى درس جديد من سلسلة الأزمنة سيكون بعنوان لو بلوس كو بارفي لو بلوس كو بارفي وهو ما يسمى بالماضي التام أو الماضي القبلي الكثير منكم لديه مشكل مع هذا الزمن ومنكم من لا يعرف حتى ما معناه أو متى يستعمله لكن بعد هذا الدرس بإذن الله لن يبقى لديكم أي مشكل مع هذا الزمن وسيصبح سهل الاستعمال بالنسبة لكم لكن هذا شريطة أن تتمموا الدرس إلى الآخر وتركزوا جيدا إذا لنبدأ على بركة الله سي بارتي دو سنبدأ هذه المرة بطريقة صرف الأفعال في هذا الزمن Le plus que parfait, c'est un temps composé. Bimana an al-madi atam ou al-madi al-qabli, où il se passe un jour al-madi al-qabli, c'est après. Parce que لماذا سُمِيَ بهذا الاسم؟ Faut-il min mot ou min kalimatain, kalima Donc, pour former le plus que parfait, on va utiliser la structure suivante. avoir ou être à plus le participe passé du verbe هذه هي تركيبة le plus que parfait من أجل صرف أي فعل في هذا الزمن فإننا نأخذ l'auxiliaire avoir أو l'auxiliaire être حسب الفعل هل يصرف مع avoir أو يصرف مع être ونصرفه في الماضي التام أو الماضي الناقص عفواً l'imparfait plus le participe passé du verbe. On enlève il est le participe passé du verbe. La hédo, bien que a et sal kiba, touche bien en la kibet, al passé al-morakeb, le passé composé. Bien que l'auxiliaire avoir ou être au présent. Il y être ou avoir fi al plus le participe passé du verbe. الفرق بالنسبه لو لو بلس كو بارفي هو اننا نصرف اتر او افوار في أه الماضي الناقص لام هذا هو الفرق الوحيد بينهما ناخذ كمثال لو فيرب مونجي فعل ياكل او باسي كومبوزي جي مونجي او بلس كو بارفي جافي مونجي اذا الفرق هنا واضح جي مونجي جي اي C'est l'auxiliaire avoir au présent. J'avais mangé, avait, c'est l'auxiliaire avoir à l'imparfait. Il savoir l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. Dans ce cas, je vous dis que le choix de l'auxiliaire être ou avoir se fait comme pour le passé composé. أي أن الاختيار بين أفواغ وأتر كفعل مساعد يتم تماما كما في زمن لباسي كومبوزي وقد سبق أن شرحت في درس سابق بأن هناك أربعة عشر فعل تصرف مع أتر بالإضافة إلى الأفعال التي تبتدئ ب سو فهي تصرف مع أتر أما باقي الأفعال فهي تصرف جميعها مع avoir. إذن أفواغ ألم J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, il avait. Être un imparfait, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. نأخذ كمثال لو فيرب أريفي أو بلوس كو بارفي لو فيرب أريفي فعل يصل وهو من بين الأربعة عشر فعل التي تصرف مع أتر إذا سنصرفه مع لوكسيليير أتر جيتي أريفي كنت قد وصلت هذا هو معناها جيتي أريفي تو إيتي أريفي كنت قد وصلت إل إيتي أريفي كان قد وصل إل إيتي أريفي كانت قد وصلت

je m'étais déplacé. kadin ta Tu t'étais déplacé. Il s'était déplacé. Elle s'était déplacée. Nous nous étions déplacés. Vous vous étiez déplacés. Il s'était déplacé. Elle s'était déplacée. Voilà, en ça, un qu qui les règles d'accord du participe passé. Comme euh, vous le participe passé euh, al-feril, al avec l'auxiliaire être, il s'accorde avec le sujet de l'auxiliaire être. Et nous ajoutons E pour le mot, et S pour le mot, comme vous le participe passé du verbe. Mais ce n'est pas dans l'action qui se passe avec l'auxiliaire avoir, comme nous le voyons maintenant dans cette action. Le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet de l'auxiliaire avoir, sauf si le complément d'objet direct, le COD, est placé devant lui. C'est juste une explication, nous avons vu cela dans le passé composé. Le verbe prendre j'avais pris contour tu avais pris il avait pris nous avions pris vous aviez pris ils avaient pris le verbe faire j'avais fait contour tu avais fait il avait fait nous avions fait vous aviez fait ils avaient fait. Le verbe finir j'avais fini tu avais fini il avait fini nous avions fini vous aviez fini ils avaient fini le verbe lire j'avais lu tu avais lu il avait lu nous avions lu. Vous aviez lu, ils avaient lu. Le verbe offrir, yu'atti ou yuhdi. J'avais offert, J'avais offert, tu avais offert, il avait offert. Nous avions offert, vous aviez offert, ils avaient offert. Le verbe avoir au plus que parfait, j'avais eu ou J'avais eu. Tu avais eu. Il avait eu. Nous avions eu. Vous aviez eu. Ils avaient eu. Le verbe être, au plus que parfait, j'avais été. Ou J'avais été. Tu avais été. Il avait été. Nous avions été. Vous aviez été, ils avaient été. Ama binisbali nefi, la négation, fa inananan fi fakat l'auxiliaire. J'avais pris, je n'avais pas pris. Kuntu kad akhat, l'am akun kad akhat. Tamaman mitl en nefi, fi zaman le passé composé. Almadi almurakab. Bref, la formation du passé. Plus que parfait, c'est exactement comme la formation du passé composé, sauf l'auxiliaire avoir ou être est à l'imparfait. Passons maintenant à l'utilisation du plus que parfait. On utilise le plus que parfait quand on parle d'une action qui s'est passée avant une autre action. نستعمل هذا الزمن عندما نريد أن نعبر عن حدث سبق حدث آخر بمعنى أن وقوع هذا الحدث كان قبل وقوع الحدث الآخر لذلك سمي بالماضي القبلي Il permet de marquer l'antériorité dans une phrase dont les verbes employés son passé passé composé passé simple ou imparfait اذا هذا الزمن نستعمله لكي نعبر عن ان حدث او فعل تم او وقع قبل حدث اخر في نفس الجمله ودائما نجده في نفس الجمله مع لو passe composé او لو passé simple او l'imparfait لان الجمله التي نوظف فيها لو كو بارفي دائما وغالبا ما تكون جمله مركبه اي فيها حدثين او فعلين اولا سنتعرف على تعبير لو كو بارفي في الجمله باللغه العربيه اذا في هذا المثال هذا الصباح عندما استيقظت كان زوجي قد انصرف الى العمل كان قد انصرف هذا هو التعبير الذي نعبر به عن لو بلس في العربيه في اللغه العربيه كان قد انصرف اذا عندما نريد ان نصرف اي فعل في لو الماضي القبلي فاننا نريد هذا التعبير كان قد ونقول الفعل الذي نريد ان نصرفه الفعل هنا هو انصرف كان قد انصرف هذا الفعل تم أو حدث قبل فعل استيقظت الذي هو في الماضي المركب وهذا هو دور لو بليس كو الماضي القبلي حتى نبين أن فعل سبق فعل آخر يعني فعل قد انصرف كان قد انصرف فعل الانصراف قد سبق فعل استيقظت أي أن الزوج قد انصرف أولاً Et après ça, il s'écarte. Si vous avez compris ce exemple en arabe, vous allez ensuite comprendre quel est l'exemple en français. Quel est le mot que le plus que parfait. On va maintenant voir le en français. Ce matin, quand je me suis levée, mon mari était déjà parti au travail. Donc, était parti, c'est le verbe partir au plus que parfait parti. C'est l'action qui est antérieure. Il a le, elle dit, Je me suis levé. C'est le verbe se lever au passé composé. Donc c'est la deuxième action. Al D'abord mon mari était parti et puis je me suis levé. Mithal Quand nous sommes arrivés, vous étiez déjà parti. Quand nous sommes arrivés, vous étiez déjà parti. Alors, vous étiez parti. Vous étiez parti, c'est le verbe partir au plus que parfait. Peu importe sa position dans la phrase, c'est l'action qui est antérieure à l'autre qui sera au plus que parfait. Bimana موقع الفعل في الجملة أو موقع الحدث في الجملة هل كان في الأول أو في آخر الجملة فالحدث الذي سبق هو الذي نصرفه في le plus que parfait Un autre exemple Quand la cloche a sonné nous n'avions pas encore fini la leçon Quand la cloche a soné, عندما رن الجرس Nous n'avions pas encore fini la leçon. Nous n'avions pas encore fini la leçon. Alors nous avions fini. C'est le, euh, le verbe finir au plus que parfait. Quand la cloche a sonné, nous n'avions pas encore fini la leçon. Un autre exemple. Mon ami n'a pas mangé au restaurant parce qu'elle avait déjà mangé chez elle Mon ami n'a pas mangé au restaurant Sadiqati لم fi في المطعم parce qu'elle avait déjà mangé chez elle لأنها كانت قد أكلت في euh, منزلها لأنها كانت قد أكلت في euh, بيتها أو في منزلها parce qu'elle avait déjà manger chez elle. Avez mangé, c'est le verbe manger au plus-que-parfait. Un autre exemple, je lui ai demandé de faire ses devoirs mais il les avait déjà faits. Je lui ai demandé de faire ses devoirs, talabtu bi an mais il les avait déjà faits. لكنه كان قد أنجزها سابقا. fait c'est le verbe faire au plus que parfait. Ahmed m'a rendu hier les livres que je lui avais donnés la semaine dernière. Ahmed m'a rendu hier Ahmed Arjali al-Bariha les livres al-kutub que je lui avais donnés. La semaine dernière, l'aujourd'hui. Ahmed m'a rendu hier les livres que je lui avais donnés la semaine dernière. A rendu, c'est le passé composé. Avait donné, c'est le plus-que-parfait. Parce que d'abord, je lui avais donné les livres, et puis, il m'a rendu les livres. Hier. Un autre exemple. Il avait froid car il avait oublié son manteau à la maison. Il avait froid car il avait oublié son manteau à la maison. Il avait froid car il avait oublié son manteau à la maison avait oublié c'est le verbe oublier au plus-que-parfait. Exemple ACHIR. Hier, j'ai mis la chemise que tu m'avais offerte pour mon anniversaire. Hier, j'ai mis la chemise, besson al-qamis que tu m'avais offerte pour mon anniversaire. Min ajli eid miladi. Alors

في euh, le passé composé al-madi al